Alerte orange, orange très foncé même sur Châteauroux. Le club berrichon n'a pas encore gagné cette saison. Un nul, trois défaites, dont une élimination en Coupe de la Ligue à Amiens, pensionnaire de National. Le dernier succès des hommes de Didier Tolo remonte au 3 mai dernier face à Nîmes, 2 buts à 1. Début de match à l'avantage des Tourangeaux, mais une domination stérile. Stérile jusqu'à la 38e minute et cette ouverture de Fousseni Diawara à destination de Christian Kouakou. Il piège Landry Bonnefoy, le 5e but de l'Ivoirien, sous les couleurs tourangelles. C'est simple, Châteauroux n'existe pas, ça passe encore sur le côté gauche entre Neves et Fournier. Billy Kekteofonfon sert sur un plateau Julien Sétou pour le deuxième but de sa carrière. Le premier, c'était face à Caen la saison dernière. 0-2 à la pause, Gaston Petit était pourtant une entre quasi imprenable la saison passée. Le discours de Didier Tolo n'a pas l'air de passer justement à la pause. Châteauroux ne réagit pas. Troisième but, incroyable mais vrai, signé Billy Kekteofonfon, l'ancien Strasbourgeois. Encore un but qui vient du côté gauche entre Neves et Fournier. ...85e minute, le festival du TFC est total, un quatrième but, Rémi Fournier contre son camp. 4-0, loin de la vallée du Cher, il s'agit tout simplement de la plus large victoire de l'histoire de Tours à l'extérieur. Et si certains en doutaient encore, après ce résumé, l'alerte est passée au rouge sur Gaston Petit, lanterne rouge même, Châteauroux est dernier de Ligue 2.